Salut tout le monde, donc je fais cette vidéo là pour vous montrer un problème sur le Laguna. Donc c'est le 1 litre de 610, 1 litre de 620 chevaux en boîte 6 en Laguna de phase 1. Donc le problème c'est qu'en fait le voyant préchauffage là au milieu orange qui est ici, il reste tout le temps allumé. Donc là il y a le moteur qui est éteint et donc il va s'allumer. Et quand je démarre le véhicule, il reste aussi allumé. Et j'ai changé le joint d'injecteur dessus parce qu'il y avait une fuite là aussi, nouveau joint d'injecteur dessus. Et il reste quand même allumé. Donc là il s'éteint et il va se rallumer. Hop. Et quand je mets le contact, j'enlève la clé, je remets le contact. Là il s'allume pas avec tous les voyants. On attend un peu. Hop, il se rallume. Il reste en fixe. Et avec le passage à la valise, ça a donné bougie de préchauffage ou capteur arbre à canne position haute, position de régime. Donc, s'il y en a qui ont déjà eu ce problème-là, savoir ce serait quoi. J'ai essayé de débrancher les bougies, de mettre du nettoyant frein dessus ou autre chose. Débrancher la batterie au cas où qu'il y aura un problème sur le niveau de la batterie et de la rebrancher. Et il reste tout le temps allumé. Mais il n'y a aucune perte de puissance du véhicule, le moteur ne broute pas, il roule normalement, il n'y a aucun souci. Donc merci pour votre aide. Ciao, ciao.